Côté Jardin, une émission proposée et animée par Jacques Benamou. Notre ingénieur du son, Louise. Louise Denis. Bonjour et bienvenue à nos auditeurs de Côté Jardin sur RCJ, la radio RCJ 94.8 sur la bande FM et par internet à l'adresse radio RCJ. .info en cliquant sur le direct. Notre émission peut également être écoutée en podcast à la même adresse, radiocg.info, bar côté jardin. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Monsieur Alexandre Delval, géopolitologue, docteur en histoire contemporaine, consultant et essayiste, professeur de géopolitique et de relations internationales, à l'occasion de la publication de son dernier livre, La stratégie de l'intimidation. Le terrorisme djihadiste et à l'islamique... du terrorisme is, djihadiste, pardon, je bafouille, à l'islamiquement correct, aux éditions de l'Artilleur. Je vous montre le livre ici et je vous recommande vraiment de l'acheter parce qu'il est absolument passionnant. Alexandre Delval, bonjour. Bonjour. Alexandre Delval, nos auditeurs vous connaissent à travers vos livres et vos fréquentes interventions dans les médias à l'occasion de la publication de vos livres ou d'articles traitant de votre sujet de prédilection. En effet, vous êtes spécialiste en géopolitique, docteur en histoire contemporaine, diplômé de Sciences Po de la faculté d'Aix-en-Provence, DEA en histoire militaire sécurité et défense, consultant international, chercheur associé au Center of Political and Foreign Affairs. Vous avez publié de très nombreux essais traduits dans plusieurs langues, dont Les vrais ennemis de l'Occident, paru en 2016. Alors, Alexandre Delval, qu'est-ce qui vous a poussé aujourd'hui à enfoncer le clou en publiant votre dernier livre, La stratégie de l'intimidation du terrorisme djihadiste à l'islamiquement correct Bonjour tout d'abord, et, et ce que je voulais faire dans, dans ce livre, euh, c'est en fait une mise au point oui. et une, une réaction à, à, à ce que j'appelle l'islamiquement correct, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est l'islamiquement correct C'est le nouveau politiquement correct, c'est le cœur. Du nouveau politiquement correct, donc de la, de la pensée euh, automatique, du prêt-à-penser, euh, mais aussi de la culpabilisation de l'Occident qui vise finalement à déresponsabiliser les musulmans et l'islam de tout ce qui peut être commis au nom de cette religion ou euh, de ses de, de co-religionnaires et en, en imputer les fautes finalement au seul coupable initial occidental. Et pourquoi j'ai fait le lien avec le terrorisme Parce que depuis des années, je croyais que le terrorisme discréditait le de l'islamisme, l'islamisme radical au sens institutionnel, Bien parce sûr. que l'islamisme n'est pas forcément terroristes. Et je pensais que les islamistes qui veulent avancer leur pion de manière démocratique comme Erdogan ou de manière institutionnelle comme l'épaule de l'islamisme en France, hein, les salafistes saoudiens qui sont très institutionnels, les frères musulmans qui se, qui, qui se, qui se prétendent même être antiracistes, c'est ce que j'appelle les islamistes institutionnels. Mais comme les djihadistes, ils ont les mêmes objectifs, l'islamisation de la planète, et je croyais que l'un discréditait l'autre, que ceux qui tuent, les coupeurs de tête, discréditaient euh, ceux qui avancent de manière beaucoup plus fourbe par euh, le, 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 le djihad verbal euh, et qui coupe les langues. Il coupe les langues en faisant taire. Et je me suis rendu compte que non. Finalement, empiriquement, en analysant depuis Salman Rushdie jusqu'au Bataclan, à chaque fois qu'on a tué au nom de l'islam et de l'islamisme, non seulement ça n'a pas nuit à l'islamisme institutionnel, mais ce dernier estimant que c'était de l'islamophobie que de faire le lien entre le terrorisme et l'islam, ce dernier en a profité pour faire une opération de publicité pour l'islamisme qui serait sans tâche et les musulmans qui seraient les nouveaux juifs, qui seraient les victimes des victimes, l'Occident étant bien sûr le véritable coupable, puisque le terrorisme serait la, ré la résultante. Des guerres occidentales ou de l'islamophobie, des laïcars occidentaux qui persécuteraient les musulmans en refusant le voile, les piscines séparées, etc. Alors, euh, Alexandre Delval, dans le premier chapitre de votre livre, vous évoquez la psychologie du terrorisme et le terrorisme psychologique. Et vous citez en exergue une phrase de Kamel Daoud L'histoire fonctionne, je le cite, hein, l'histoire fonctionne au sang et on va en payer le prix. On le paye déjà d'autres pays paient beaucoup plus cher que la France. L'Algérie, notamment. Si on ne fait rien, on, ne, on peut perdre beaucoup. Alors, Kamel Baoud fait allusion aux attentats, surtout. L'histoire montre en effet que ceux qui sont les plus actifs, les minorités actives écrasent les majorités passives, premièrement. C'est la leçon du grand politologue italien Gaetano Mosca. Mmh. Mais l'histoire montre aussi que, malheureusement, ceux qui sont prêts à la violence, et qui n'ont aucun scrupule, s'ils ne rencontrent pas une violence plus grande en face, mais une violence, elle, légale, eh bien, c'est un blanc-seing pour leur barbarie. La barbarie renaît lorsqu'on n'applique plus la loi. Lorsque la force de la loi est plus discréditée que la force tout court, c'est un petit peu ce qui se passe. Et je fais le lien entre le terrorisme djihadiste, entre euh, les actes d'intimidation, de menaces, de morts, et, euh, et, et la culpabilisation. Parce qu'il y a... Un point commun entre les deux, finalement, ceux qui avancent par la violence, ceux qui font peur, sont beaucoup plus convaincants lorsqu'ils demandent d'arrêter de blasphémer. Imaginez un curé gentil et un rabbin pacifique qui vont voir un président de la République. Ils leur disent de lutter contre la montée de l'antisémitisme et de la christianophobie dans les banlieues. Qui les écoute depuis des années oh, on fait quelques cérémonies, mais personne. Pourquoi Parce qu'ils ne font peur à personne. Pourquoi aujourd'hui tout le monde cède en revanche devant les occasions de ceux qui veulent Condamner l'islamophobie pour une raison très basique, parce que derrière ceux qui demandent de faire taire l'islamophobie, il y a l'épée de Damoclès de ceux qui tuent les islamophobes. S'il n'y avait pas la peur d'être islamophobe, une peur sanctionnée par des menaces de mort et par des assassinats ou des attentats comme le Bataclan ou Charlie Hebdo, eh bien les, les requêtes poliment demandés par les, les imams fondamentalistes qui demandent gentiment de lutter contre l'islamophobie, leurs requêtes seraient beaucoup moins entendues. Et c'est pour ça qu'on n'écoute pas les pauvres chrétiens qui sont la religion la plus persécutée dans le monde, parce qu'ils ne font peur à tout personne. À fait, ça veut dire que la violence, comme dit Kamel Daoud, malheureusement, ceux qui tracent l'histoire avec le sang, ils tracent l'histoire tout court. Et, et si on ne répond pas à cette violence par quelque chose qui la bloque, cette violence se sent encouragée. C'est un peu la stratégie d'Erdogan aussi qui teste les réactions. Oui, les tout les islamistes ont tous un petit peu la psychologie d'Erdogan. On, on teste va, on la va, faiblesse de l'autre. Et les nazis faisaient pareil. On va parler d'Erdogan. Alors donc, euh, c'est donc une dimension idéologique, ces actes de terreur. Ce n'est oui. pas uniquement pour, euh, pour tuer des gens, c'est parce que véritablement, il y a quelque chose derrière. J'allais dire, vous avez tout compris sur la violence, euh, sur la psychologie. Il y, a le, il y a le terrorisme psychologique et la psychologie du terrorisme. Qu'est-ce que la psychologie des terroristes islamistes Elle consiste en effet à ne pas tuer pour tuer. Ils ne nous tuent pas parce qu'ils nous détestent personnellement. Ça peut être un très bon voisin que vous appréciez qui va vous tuer, madame Knoll a oui. été après, a été tuée par quelqu'un qui criait Allahu Akbar après lui avoir donné des bonbons pendant toute son enfance. La personne qui va vous égorger n'est pas forcément contre vous. Elle va le faire parce qu'elle a été commanditée. Ce n'est qu'un petit soldat du terrorisme, le le, le voyou euh, qui, tout à qui coup convaincu, convaincu, oui. qui, qui voilà le le, le le voyou converti qui va se faire sauter ou qui va tuer euh, ou qui va rentrer dans une foule avec une camionnette. Mais derrière lui, les psychologues, les, les cerveaux du terrorisme ont un but précis: faire tuer pour attirer les médias attirer les médias pour faire parler de l'islam en mal le, le jour de l'attentat parce qu'on va associer islam et terrorisme et en bien le lendemain puisque nos sociétés culpabilisées.. Pas d'amalgame. Ben voilà, nos no sociétés culpabilisées n'ont qu'un seul souci le lendemain de chaque attentat, ne pas faire d'amalgame. On risquerait, on risquerait de faire des musulmans les véritables victimes. Moi je me rappelle après les attentats de Barcelone, la mairie de Barcelone a dit que les véritables victimes des attentats quelques jours plus tôt, c'était les musulmans. Et on a vu un père de famille dont on avait tué la petite fille blondinette, qui allait embrasser un imam en pleurant. Il disait, j'espère que la mort de ma fille ne va pas engendrer l'islamophobie. On a un festival, euh, une démonstration de masochisme civilisationnel absolument sidérante. Et c'est ça que produisent les islamistes, nous faire plier, faire en sorte que la violence effraie et que l'on se dise un jour, à armes égales, le jour où ces gens qui n'ont pas peur de la mort, seront autant que nous, autant armés que nous, ils nous écraseront. Donc ce qu'ils veulent produire, les islamistes par, par le meurtre médiatisé, c'est une publicité gigantesque pour l'islamisme, mais aussi pour l'islam, et, et, et aussi un syndrome de Stockholm, que l'on s'habitue à la suprématie de cette religion, que l'on traite de facto déjà comme une religion supérieure, puisque c'est la seule qu'il est mal vu de critiquer avec son esprit voltairien. Alors, euh, Alexandre Delval, dans votre livre, vous définissez en totalisme islamique ce que d'autres appellent intégrisme. Ah oui, moi je, je, je me suis. C'est un angle de vue différent. Absolument. Je, dans les années 2000, maintenant, cette expression, et je ne dis pas ça pour me vanter, mais a été repris par tout le monde, y oui. compris les oui. pétitionnaires, les 100 pétitionnaires du Figaro. Monsieur Fillon en a fait un livre, Valls en parle très souvent. D'ailleurs, je ne je, je, je sais même pas s'ils si savent que j'ai créé cette cette expression mais je l'ai créé en parlant avec des grands chercheurs comme Taghef et autres et des personnes du CNRS je l'ai créé en, en 97 et j'en ai fait un livre en 2001 le totalitarisme islamiste pourquoi parce que j'estimais que mettre au même niveau après chaque attentat on nous dit tous les intégrismes sont condamnables mais vous vous rendez compte l'aberration de cette allégation quand après quelqu'un qui a tué un, une femme un enfant en Algérie on a on, on a massacré des femmes enceintes au Bataclan Charlie Hebdo on a tué des euh, ou même Mohamed Merah tout, même Bruxelles, euh, Barcelone, on a tué des innocents. Et le lendemain d'un attentat terroriste, y compris le lendemain des 3000 morts du 11 septembre, qu'est-ce qu'on nous dit Le véritable victime de tout cela, c'est euh, l'islam euh, et les musulmans qui seraient victimes d'une islamophobie. Et on nous dit, et finalement, euh, euh, cet intégrisme, on le retrouve dans les trois religions. Toutes les religions sont condamnables. Donc ce qui est extraordinaire, quand l'islamisme tue, on en impute également, on autres. en rend corresponsable mmh. les juifs et les chrétiens, puisqu'ils sont arrivés avant. Et tout ça, ce serait la famille abrahamique des trois religions soi-disant sœurs. Tout cela, ce sont des sornettes. Car la réalité, c'est que nous avons affaire à des fanatiques qui utilisent la religion dans, un, dans une volonté impérialiste de conquête globale. Et ceux-ci ressemblent plus à des nazis ou des communistes révolutionnaires qu'à de simples intégristes. La preuve, les Lubavitch, les, les, les intégristes protestants, bah, euh, catholiques, bouddhistes, pour prendre voilà. une voilà. ceinture d'explosif pour vu. aller dans la foule. Bah, voilà, on n'a jamais vu des Loubavitch que parfois on qualifie d'intégristes, oui. ou même, et, ou même et, des catholiques. Même les pires catholiques. Si, bah oui, il ils ne tuent pas des gens Le bon les rues. De... ils vont pas, ils vont pas assassiner. Alors vous décrivez encore dans votre livre, qui je le rappelle comporte plus de 500 pages, 500 pages, une stratégie de l'intimidation, on a commencé à en parler avec vous, celle d'un islamisme conquérant dont le terrorisme n'est que la branche armée euh, tandis que la crainte qu'il exp... qu inspire est perpétuée par un discours islamiquement correct, euh, euh, c'est ce justement ce que, oui. ce que vous venez de dire. Absolument. Était... Alors l'islamiquement correct, c'est une autre expression que j'avais créée dans les colonnes oui. du Figaro magazine oui. il y a oui. très longtemps, dans les <laughs> années 90. Et c'était le titre d'un article d'ailleurs. Et je voulais montrer par là qu'aujourd'hui, euh, l'islamiquement correct a pris la place du politiquement correct. Aujourd'hui, il, il n'est pas politiquement incorrect d'insulter la foi de n'importe quelle religion, pratiquement. Sauf celle de l'islam. Il n'est pas mal vu de dire que dans telle civilisation il y a tel ou tel travers ou telle tendance. Bien sûr, oui, bien sûr. Euh, euh, ça se fait. D'ailleurs, De Gaulle. C'est un simple lui, constat, quoi. Voilà. Voilà, de, de Gaulle lui-même se permettait des phrases euh, sur, sur, sur le peuple juif qu'il euh, qu n'aurait, à mon avis, jamais osé tenir euh, aujourd'hui sur, 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 sur l'islam. Euh, on voit bien que. Et sur le christianisme, n'en parlons pas. Les propos sur la chrétienté, je ne parle pas des, des fanatiques chrétiens qui sont condamnables, mais la chrétienté en tant que telle est très souvent condamnée comme une civilisation qui Longtemps criminel, obscurantiste, et ça passe comme une lettre à la poste. C'est vrai, et c'est vrai qu'il qu y a eu Bologna, des choses qui étaient pas reluisantes, et, et, bon, et à juste titre. Tout bah voilà, vrai, mais bon. et à juste titre, on critique les, les, les phases noires de, de, de la chrétienté. On peut le dire. Mais voilà. par contre, euh, dire que dans l'islam, dans il y a eu des croisades musulmanes euh, avant même les croisades chrétiennes, quatre siècles avant les croisades chrétiennes, il y a eu des croisades musulmanes, c'est-à-dire des invasions de pays majoritairement chrétiens comme l'Égypte, le Liban, la Syrie, qui étaient, qui étaient chrétiennes. Même l'Afrique du Nord était byzantine. On, on ne parle jamais du fait que nos croisades étaient des réactions à des croisades initiales. Et on nous parle aussi de l'Andalousie. C'est le nouveau mythe de l'islamiquement correct. La preuve de la supériorité morale. Parce qu'on nous parle de supériorité morale de l'islam. Quand on nous dit que nous devons tout à l'islam et aux musulmans. On leur doit le zéro, la philosophie, l'algèbre, les mathématiques, tout cela. Déjà, c'est faux, parce que la plupart des grands traducteurs étaient soit très majoritairement des chrétiens d'Orient de Mais langue bien araméenne, bien proche oui. du juif oui, du, de l'hébreu d'ailleurs, et il y avait aussi des perses et des juifs. C'était les peuples conquis de l'islam. Les peuples autochtones de l'islam, perses, juifs et chrétiens araméens, étaient les grands traducteurs. Nous leur devons à eux, cette, ces civilisations pré-musulmanes, nous leur devons tout. Mais le mythe consiste à dire que ceux qui ont réuni ces traducteurs, les califes qui en fait venaient des déserts et qui n'étaient pas du tout lettrés, on, on nous fait croire que c'est grâce à l'islam, aux arabes et à la civilisation musulmane que nous aurions eu la renaissance puisque sans l'Andalousie il n'y aurait pas eu les traductions sans, 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 et eh bien sans ces traductions il n'y aurait pas eu la redécouverte de l'héritage gréco latin sans l'héritage gréco latin il n'y aurait pas eu la renaissance et sans la renaissance il n'y aurait pas eu les Lumières, la Révolution française et la laïcité. Mmh. Donc en gros on passe Spinoza oui. euh, à, 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 la, à la trappe, à la, à la trappe et ainsi que Descartes, à qui l'on doit bien plus que les soi-disant Arabes d'Andalousie, qui en fait, euh, les philosophes Arabes d'Andalousie, étaient tous condamnés pour hérésie. C'est important de le dire. On remercie l'islam. Pour des avancées qui, qui sont le fruit en fait de plusieurs civilisations et pas que les musulmans et à l'intérieur de laquelle ce grand effort a été fait essentiellement par des chrétiens, des juifs et des musulmans hérétiques qui étaient condamnés par l'islam officiel de l'époque. Donc euh, on fait à la fois un anachronisme et quelque chose d'injuste en en, en en remerciant l'islam pour ce que des gens qui étaient en porte-à-feu avec l'islam avaient réalisé. Apporté. Alors on revient si vous voulez à notre période actuelle. Vous, vous vous assimilez dans votre livre le terrorisme. À une guerre psychologique. Bien sûr. Et le but alors de tout ça, c'est quoi Eh bien, le grand, le grand stratège américain Edouard Ludwig l'a très bien défini. Je me réfère à ses propos ainsi oui. qu'à ceux de Walter Lacker, qui, était, qui est le plus grand politologue américain spécialiste de la violence politique. Ils disent que finalement, le terroriste en général, mais surtout. Le terrorisme islamiste, son territoire, ce n'est pas un village, comme l'a dit l'ancien cerveau de, de, de Daesh. Le, le territoire de Daesh, ce n'est pas un village ou, un, ou, ou une région ou un pays qu'il voudrait conquérir et, euh, et, et, et dont il se fait euh, voler par les alliés euh, quelques, quelques morceaux. Le véritable territoire est mental. C'est l'islam. C'est faire parler de l'islam, faire parler de la charia, porter dans le cœur des musulmans le Coran, la charia et la sira, les grands textes de l'islam, et faire en sorte que l'islam, que cette, cette idée selon laquelle l'islam euh, 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 apporte toutes les solutions, c'est le grand slogan initial d'ailleurs des frères musulmans, l'islam est la solution à tous les problèmes. Donc la charia, l'islamisation de la société, la lutte contre les mécréants, contre les laïcs, contre les athées, euh, islamiser la société, faire en sorte que toutes les lois découlent de la charia, ce serait la seule chose qui sauvera l'humanité. Donc en fait, le but est en fait un but de propagande. Et c'est ce qu'on appelle la propagande par l'action violente. En fait, le terroriste, nous, nous croyons qu'il tue parce qu'il est méchant, parce qu'il est psychopathe, parce qu'il nous déteste. Non, il tue pour faire parler de sa religion, pour qu'on en parle en bien comme en mal, c'est du marketing, oui. afin que cette idée progresse. C'est le phénomène de la publicité. Plus on parle même de damar lave plus blanc, qui est stupide, oui. et bien plus ça rentre <laughs> dans les esprits. — même lave plus blanc. — oui. Tous les auditeurs ont bien entendu un jour une pub qui, qui, qui leur paraissait stupide. Et pourtant, je suis sûr que pratiquement tout le monde un jour s'est surpris en se disant « j'ai acheté un produit dont la pub me paraissait stupide ». eh bien, c'est le, le secret du marketing. Quelque chose qui est répété en permanence finit par rentrer dans le cerveau. Or... Grâce au terrorisme islamiste, qui est, qui est véritablement génial d'un point de vue marketing, grâce au terrorisme, on n'a jamais autant parlé de l'islam. Et donc l'islam progresse. Mmh. Remarquez que plus on tue au nom de l'islam, plus on vend de Coran, plus il y a des sur l'islam, et plus il y a de gens très fiers d'avoir la burqa mais... ou le voile islamique dans les rues, qu'on ne peut même plus d'ailleurs verbaliser. Est-ce Absolument. Est-ce que chacun... Lit, a lu le Coran ou le lit Parce que dans le Coran, il y a quand même des choses. Le Coran, c'est le livre qui a été révélé. Donc, est-ce qu'à un moment ou à un autre, dans les passages les plus, j'allais dire, euh, les plus violents, parce qu'il y en a des... Hein, est-ce qu'on peut amodier tout cela Est-ce qu'on peut éventuellement... Est-ce que vous pensez que euh, les musulmans pourraient éventuellement faire une... Une révision de, Bien sûr. de... Vous pensez que c'est possible Alors je, on, ah oui. on vous dit qu'on peut pas toucher puisque c'est un, un livre qui est révélé. Et je pense que c'est possible dès lors que ce livre révélé n'est que révélé mais euh, que l'on accepte on accepte comme la bible euh, comme la torah ou, 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 ou les évangiles mais surtout la torah mmh. dès lors que l'on accepte qu'il y a aussi eu un regard humain qui s'est porté à un moment ou un autre dès lors que l'on peut contextualiser certains événements je pense que les juifs dans leur dans leur grande sagesse entre Rabbanim, il y a eu beaucoup d'échanges hein, oui. à qui va mmh. et euh, par rambam il y a eu beaucoup d'échanges où on interprétait comment faut-il considérer telle ou telle phrase euh, verset sorti euh, de son contexte je pense que pour l'islam un tel travail peut Peut être fait malheureusement aujourd'hui aujourd'hui oui, oui, oui. aujourd les musulmans ne pensent pas uniquement fallait enfin, les musulmans officiels que le Coran est, est sacré et est révélation le Coran doit être récité Coran ça veut dire ça et récité en tant que Dieu qui s'est incarné dans un texte. Justement, C'est bien plus qu'une révélation, c'est Dieu lui-même qu'on a dans les mains, et donc on ne peut pas l'interpréter. D'où la difficulté, si vous voulez, de, 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 de modifier, de corriger... De, Absolument, mais c'est possible, vous savez qu'une nouvelle pétition a été lancée, euh, l'imam Chalgoumi est co-signateur ah oui, d'ailleurs, ces jours-ci, une pétition a été lancée avec des musulmans, des juifs, des chrétiens, des intellectuels laïcs, pour demander à ce que le monde musulman euh, contextualise les sourates qu'on appelle médinoises, la seconde partie oui, de la vie de oui. Mahomet, qui s'est passée à Médine, en opposition oui. à la Mecque. Mahomet a commencé à la Mecque avec des sourates qui révélaient son état d'esprit de l'époque, assez proche des juifs et des chrétiens, puisqu'il était formé par des juifs et des chrétiens mmh, au départ. Mmh. Et quand Musu euh, Mahomet a pris son autonomie, en quelque sorte, devenant en devenant un chef de guerre oui. à Médine, après la fameuse immigration, l'Ijara, eh bien là, il est devenu beaucoup plus, euh, c'est pas un jugement de valeur, hein, politique, euh, guerrier. Oui. Et, un de... et malheureusement, Malheureusement pour les modérés, heureusement pour les radicaux, hein, là on est là pour pas pour juger, mais pour constater, oui, bien sûr. eh bien les sourates violentes, guerrières et politiques. Oui. l'emporte sur les sourates mécoises lorsqu'elles se contredisent. C'est la fameuse théorie, théorie de, 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 de l'islam orthodoxe qu'on appelle l'abroger, l'abrogeant. Et donc il faudrait que des imams disent, ce qui a été fait au 10e siècle finalement n'est pas éternel, parce que tout ça, ça a été décidé au 10e siècle. Avant le 10e siècle, l'islam fut très pluriel, balbutiant avec plein d'écoles juridiques. Il y en avait 20. Il en reste 4. Les mathdaïbes les fameuses écoles juridiques. On pourrait très bien faire ressusciter un islam éclairé. Malheureusement aujourd'hui, et c'est là qu'on peut... Accuser les grands clercs de l'islam politique mondial, ce que j'appelle l'islam institutionnel, ils ne veulent pas faire ce travail de réforme. Et comment ils esquivent ce travail En disant, vous associez l'islam au terrorisme, ils jouent au scandalisé, ils nous culpabilisent, alors qu'en fait, ils savent très bien que les sources du djihadisme se trouvent dans les sourates médinoises. Alors, Alexandre Delval, vous évoquez les pôles de l'islamisme mondial, justement, c'est oui. pour aller dans le sens que vous dites, qui distillent l'idée selon laquelle toute critique de l'islam serait une attaque contre les musulmans. C'est-à-dire que ces fameux pôles islamistes prônent une doctrine proche de celle des djihadistes. Alors, no, elle, elle n'est pas proche de celle des djihadistes dans la mesure où pour eux, le sixième pilier de l'islam n'est pas le djihad. Oui. Les djihadistes, en fait, vous euh, savez qu'en arabe, on peut dire mujahideen, les, 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 les gens qui font le djihad. Oui. Mais les islamistes djihadistes ont même créé un néologisme. Euh, c'est-à-dire les, les c'est plus fort encore. Ça veut dire on fait du djihad un, 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 un pilier en soi. Et là c'est une hérésie. Hein. Il, il est clair que et pour un musulman ça ne figure pas dans le Coran. Ça, ça ne figure pas. Dans le... Alors ce qui figure alors c'est paradoxal. Dans et les oui. cinq piliers de l'islam il n'y a pas le djihad, mais il est vrai que dans le Coran notamment la, la sourate 9, mais aussi la, la sourate 303 pourrait le, le, le suggérer aussi. Dans la sourate 9, c'est la seule sourate qui ne commence pas par « Bismillah el-Rahman el-Rahim », donc le miséricordieux, mmh. euh, et, et, et là c'est une sourate très peu miséricordieuse qui commence directement par « Combattez-les partout vous les trouverez jusqu'à ce qu'ils payent, humiliez le tribut ». Et cette sourate, elle est malheureusement abrogeante. Elle abroge les sourates qui prônent la paix. Et donc, on a effectivement dans le Coran, et comment, une le, sourate qui, euh, qui, 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 qui tend au djihadisme. Et deuxième chose, dans le Coran, comme dans la tradition islamique, la sunna, composée aussi des hadiths, les fameux oui, propos attribués à, à, oui, à Mahomet, Mahomet. Et, et, la seule certitude que l'on trouve dans l'islam classique pour aller au paradis, c'est que la seule garantie que l'on a pour être certain d'aller au paradis, c'est par le djihad, par le sacrifice de sa vie pour l'extension de l'islam. Et effectivement, les djihadistes, bien qu'étant hérétiques, en disant que le djihad est le sixième pilier, il s'appuie tout de même sur quelque chose qui est indiscutable. J'en ai parlé avec l'ancien terroriste David Valla, oui. le fameux terroriste d'Afghanistan de, de, et de Bosnie, qui avait été arrêté à l'époque de Khaled Kelkal, qui a fait pas mal d'années de prison, qui, est très, qui était informateur, il était pointu. Il me disait la seule voie qui garantit de manière absolue le paradis, parce qu'on a très peu de garanties, c'est la voie du djihad. Et euh... c'est pour ça que le djihad est quand même. Quelque chose de fondamental, même dans l'islam orthodoxe. Alors, Et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à le, à, à le délégitimer, ce, cette source du djihad. Mais alors, qu'est-ce qui est revenu du paradis pour en parler Alors, personne n'est revenu du paradis pour c est en ça parler. C'est quand même extraordinaire. Est vrai. On parle <laughs> du paradis, on parle des 72 vierges qui attendent les, les, oui. ceux qui se sacrifient. Euh, qu'est-ce qui est revenu qu Expliquez-moi un petit alors, peu. Alors, on n'en est pas revenu. C'est vrai que cette question est enfin. très fait pertinente, mais moi, je pense qu'on a la réponse. Les hommes savent très bien. Euh, faire croire qu'ils croient à des légendes quand ces légendes permettent d'asseoir leur avidité de puissance et c'est vrai que si j'étais un imam qui a plus une vision politique que spirituelle, vous savez que l'islam distingue la soumission islam oui, de la croyance imam oui, oui. Hein, on peut être croyant, d'ailleurs le Coran lui-même relate des tribus, de, des, des tribus païennes qui se soumettaient à Mahomet, qui prononçaient la shahada qui se soumettaient à l'islam alors même qu'elles n'avaient pas encore la foi et on a la preuve même dans le coran mmh. que l'on peut se soumettre à l'islam devenir musulman sans avoir la foi c'est à dire que cette religion a une dimension spirituelle qui est merveilleuse que l'on trouve dans les sourates mécoises, mais elle a une, une dimension très politique, lorsque Mahomet convertissait des gens, alors même que leur cœur n'était pas converti. On distingue donc la foi de la religiosité politique. Et, et ceux qui ont une vision politique, qui veulent en fait la conquête, ce qui les anime, c'est la pourquoi, conquête pourquoi, du monde. Ils ont pourquoi, intérêt à croire ça, parce que ça motive des croyants. Mais pourquoi vouloir soumettre tout le monde à cette religion alors, Pourquoi, pourquoi, pourquoi ne pas respecter les autres alors, alors, certaines, Voilà la question. C'est une belle question. Alors, les <laughs> femmes qui ont un peu moins de... Je ne testosterone... si sais pas si oui. vous allez pouvoir me mais répondre. Mais si euh, <laughs> ma, mais ma femme... Sûr a... que tout le monde se pose ma femme et beaucoup de ses amis femmes ont la réponse euh, c'est dans l'homme cette soif de conquérir, de dominer, elle est très masculine, mais je dirais qu'elle est dans l'homme tout court. Et tant que l'homme sera homme, alors on ne va pas non plus prôner la castration généralisée pour oui. que ça disparaisse, mais <laughs> tant que l'homme est, il y a une notion de conquête. Et si ce n'est pas au nom de l'islam, ce sera au nom d'autre chose. On a eu le nazisme, on a eu le communisme, oui, on a eu, eu l'impérialisme, et on, et on trouvera, oh regardez en Birmanie, et là c'est les musulmans bien qui sont victimes face à des fascistes bouddhistes. Donc ouais. on trouvera toujours des idéologies, croyantes ou pas, d'ailleurs celle qui a le plus tué. C'est ça, c'est à la décharge des religions. Oui. C'est quand même de très très loin le communisme euh, en mais nombre entendez, de morts. Mais bien sûr. Donc les êtres humains sont très forts pour toujours trouver des théories qui vont justifier la domination de l'autre. Et en fait, euh, ce qu'il faut enlever dans l'islam, c'est pas la croyance en un dieu unique ou les cinq piliers qui font de mal à personne. Les cinq piliers de l'islam oui, peuvent être sûr. respectés dans la République. Mais bien sûr. Ce serait même une religion proche du judaïsme si elle renonçait à sa partie politique prosélyte conquérante. Il y a pas mal de points communs au niveau du rituel, de, 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 au niveau juridique de tous bien les jours. Bien sûr. Et donc en fait, en fait, on pourrait en faire une religion euh, calmée, mais il faut la privatiser. C'est une religion qui doit être dépolitisée. Alors justement, vous parlez du nazisme, de, du communisme, enfin tout ce qui s'est passé là. Euh, ce sont des, des j'allais dire, euh, des... Ah, euh, je cherche des le totalitarisme, hein, des totalitarismes exactement qui ont voulu soumettre le monde. Et ils se sont éteints. Oui. Oh, avec le temps. Est-ce que vous pensez que ça peut arriver à l'islamisme? Euh, J'allais dire, euh, je ne suis pas sûr, pour une raison très simple. Euh, L'islam n'est pas qu'un système totalitaire. Elle l'est en partie, mais elle pourrait ne pas l'être si elle, elle, elle effectue un travail de réforme. L'islam est également une religion. Et c'est là que les pôles de l'islamisme institutionnel sont très malins. Ils font passer leurs doléances politico-théocratiques, mmh. parce que c'est très politique. Leur demande de minaret très haut, c'est très politique. On n'a pas besoin de ça pour être croyant. Leur demande de, de, de généraliser le halal un peu partout, ce n'est pas du tout dans les cinq piliers de l'islam. Hein. Leurs demandes politiques sont masquées par un soi-disant droit à la différence religieuse. La, donc cette religion... Euh, ne peut pas s'éteindre comme n'importe quel totalitarisme. Oui. On, peut, on peut éteindre dans cette religion, par contre, la dimension politico-temporelle qui est l'un des germes du totalitarisme. Et, et pour ce faire, il faut un travail de réforme. Ça ne veut pas dire réformer la foi. Ça ne remet pas en question la foi des musulmans. C'est réformer les textes politico-religieux et juridiques de l'islam qui ont fixé dans le dogme depuis le Xe siècle, parce que c'était différent avant le Xe siècle, ce n'est qu'au X-XIe siècle qu'on a fixé les Bien fameuses sûr. écoles juridiques de l'islam, dont le de balisme qui a donné le mot salafisme, ça vient de, de cette époque, on pourrait très bien rendre cette école illégale. Oui. Malheureusement, aujourd'hui, aucun pôle de l'islam institutionnel veut le faire. Mais bien évidemment, alors vous écrivez dans votre livre remarquable que l'islamisme repose sur un mythe, celui d'un âge d'or de l'islam qui aurait généré une dette de l'Occident à l'égard de la science et de la culture, on avait commencé à en parler tout à l'heure, la culture arabo-musulmane, eh, celles-ci ne sont pas contestables, mais sur quoi repose ce mythe là Alors ce mythe il est assez intelligent, d'un côté il y a eu, j'en parle dans mon livre, dans la deuxième partie il y, a toute une, il y a tout un chapitre sur la jeunesse de l'islamophilie et de l'islamiquement correct, mmh. premièrement il y a des penseurs européens qui parfois de manière très sincère, pour lutter contre le totalitarisme à, à l'époque de l'Église catholique, qui fut beaucoup plus politique qu'aujourd'hui et plus mmh, totalitaire. Mmh, mmh, ils ont voulu mettre en valeur les bienfaits de l'islam, vous savez, par contraste, un peu comme Voltaire qui a commencé islamophobe, qui a terminé islamophile, parce qu'il disait, quand j'ai trop tapé sur Mahomet, dans le fameux, la fameuse pièce Mahomet le fanatique, oui. ça, ça a rendu service à l'Église. Et après, il, il est devenu très islamophile. C'est un petit peu ça, c'est la première genèse du mythe de l'islam supérieur moralement. C'est un petit peu la suite de Montesquieu avec les, les lettres persanes. On Passer du bon sauvage, du bon oriental au bon musulman, inquiété hein, euh, par de toutes les vertus. Et ça, c'était en fait une technique pour critiquer notre propre obscurantisme. Et on peut comprendre d'où ça vient, c'est un peu les lumières. Il y a une deuxième source de cette suprématie de l'islamisme incarnée par le mythe El Andalus, c'est en fait pour faire passer l'impérialisme islamique conquérant pour quelque chose de, de, de valable, pour galvaniser les troupes, et aussi pour neutraliser l'ennemi, eh bien on fait croire que finalement tout viendrait de l'islam. En Sicile, on dit même que les pizzas, que, 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 ah que oui, les glaces, ah oui. que les agrumes, les glaces, les cacahuètes, que tout vient, que, que, que l'islam a tout inventé. En Espagne, on nous dit l'irrigation, le chauffage, les, tous les systèmes thermiques, alors que les Grecs le connaissaient depuis 2000 ans. Il y a un véritable délire intellectuel qui s'est emparé de beaucoup d'intellectuels de gauche ou thermondistes, dernières années, qui, pour, euh, pour, pour en quelque sorte dévaloriser l'Occident catholique, chrétien, judéo-chrétien, hein, euh, leur propre civilisation, eh bien, ils ont valorisé, par contraste, oui. l'islam prêté paré de toutes les vertus. Et, et, et ça débouche alors sur quelque chose d'encore plus dangereux. Euh, ils ont mélangé l'islam, la civilisation musulmane, et les musulmans en tant que personnes. Ce qui fait que, très habilement, les islamistes institutionnels utilisent cet amalgame. Quand on critique l'islam ou la civilisation musulmane ou les barbaries passées des, des croisades islamiques, eh bien, les édvits les ou leurs amis euh, frères musulmans disent « Vous insultez les musulmans ». Ce qui est absolument fou. Depuis quand critiquer une religion ou analyser son histoire est une insulte envers ceux qui sont issus de cette religion C'est comme si on me disait « Critiquer les croisades, ce serait insulter Delval qui est chrétien <laughs> ou, euh, ou, je sais pas, ou critiquer euh, euh, tel ou tel euh, euh, pan euh, de, du, du, du vieux judaïsme. À l'époque, à un moment, le judaïsme a mmh. été polygame. Oui, c'est comme bah si on oui, disait, ceux, ceux qui critiquent la polygamie de juifs yéménites, ils insultent M. Benhamou, c'est aussi stupide que cela. <laughs> je n'ai pense... jamais polygame, mais voilà, pas de moi et, moi et, que je et, et on se sent pas <laughs> vexé, ni vous et moi, absolument. si quelqu'un analyse notre religion de manière critique. Mais absolument. Alors, euh, Alexandre Delval, vous avez du mal à supporter la réaction des occidentaux qui se contentent d'allumer des bougies, de déposer des fleurs après chaque attentat. Eh bien, il y a de quoi? Parce que euh, c'est bien sympathique des, des lieux de commémoration. Moi, j'ai visité de nombreux lieux de commémoration après les attentats et j'ai été frappé par celui de Barcelone. Pourquoi? Parce que ceux qui ont commis l'attentat de Barcelone cet été, en 2000, fin 2000, euh, ou 2017, oui. euh, ont revendiqué l'attentat au nom justement de la récupération de El Andalus. Oui, Parce que le mythe, absolument. le carburant des islamistes, contrairement à ce qu'on croit, ce n'est pas la destruction d'Israël qui aurait agressé les Palestiniens. Ce n'est pas la lutte contre le sionisme ou l'impérialisme. Ils sont eux-mêmes impérialistes, puisque leur but, mais il suffit de lire les textes oui. d'Al-Qaïda et de Daesh pour voir que leur but n'est pas une réponse. Ce que, ce que croient certains tiers mondistes, une réponse à notre colonialisme ou à notre sionisme ou impérialisme. Leur but, c'est conquérir l'humanité et islamiser toute la planète. Et j'ai vu le lendemain des attentats à, plein, Barcelone. À, à Barcelone, mais aussi ailleurs, des bougies, des bougies et surtout des, des allusions, des allusions à un islam qui serait parfait. J'ai même vu mieux le lendemain des attentats de Barcelone. Euh, il y a beaucoup d'immigrés pakistanais oui, à Barcelone. Oui, oui. J'ai vu des pancartes le Pakistan, c'est la paix un des pays les plus terroristes du mais monde qui a une... fabriqué Al-Qaïda et les talibans. Une horreur. Après chaque attentat une horreur. Ter terroriste, on a le Pakistan, c'est la paix, le monde musulman est parfait, les musulmans sont sans tache, la civilisation islamique est magnifique, le vrai islam non seulement n'est pas responsable, mais il est même moralement supérieur aux autres religions. Ce qui, qui corroborent ce que je dis au quatrième de couverture de ce livre, oui, oui. plus on tue au nom de l'islam, plus le lendemain... On fait de la publicité pour l'islam. Et, et j'en conclue donc que le terrorisme est une manière extrêmement efficace de faire de la publicité. C'est ce qu'on appelle aussi parfois le terrorisme publicitaire. C'est pour ça que les réactions qui consistent à lutter contre l'islamophobie le lendemain de chaque att att attentat, c'est exactement ce que, le piège dans lequel voulaient nous faire tomber les, les, les tueurs islamistes. Oui, oui, mais quand on entend euh, tous ces gens-là qui disent euh, effectivement ce n'est pas l'islam, etc., il suffit de lire le Coran. Parce que les terroristes islamiques, les djihadistes se fondent sur le Coran, ils prennent le Coran comme euh, feuille de route. Alors je suis d'accord avec vous, oui ou non on, on pourrait dire à la décharge des musulmans qui sont nos compatriotes, oui, les musulmans modérés non, en style de la violence, je... on pourrait dire que c'est un, un Coran pris à la lettre qui n'aurait pas été malheureusement accompagné par un esprit éclairé. C'est vrai que si on applique à la lettre le fait que les sourates du Coran les plus violentes oui. sont considérées abrogantes et supérieures aux sourates plus modérées de la Mecque, il y a un véritable problème et c'est pour ça que les pétitionnaires, dont l'imam Chalgoumi, ont raison de dire oui. qu'il faut non pas abolir le Coran, on ne peut pas, certains disent qu'il faut réformer le Coran, on ne peut pas réformer un texte sacré, mais il faut changer le regard que l'on a, le regard que l'orthodoxie porte sur le Coran doit être changé. On doit pouvoir oui. contextualiser oui. les sourates médinoises et dire que les sourates mécoises sont supérieures parce qu'elles sont... Spirituel. Et alors, il euh, y a bien un islam modéré en France, c'est incontestable. Ne pensez-vous pas qu'il agisse justement envers les islamistes radicaux Malheureusement, aujourd'hui, l'islam modéré, il est vaincu, ouais. il est menacé et il est intimidé. Pourquoi je parle dans ce livre de la stratégie de l'intimidation Car il y a l'intimidation des coupeurs de tête qui tuent physiquement et l'intimidation des coupeurs de langue qui vous culpabilisent. Aujourd'hui, dans, dans, dans les banlieues euh, de l'islam, quelqu'un qui est adepte d'un islam modéré est considéré comme un agent de l'Occident, un agent du colonisateur, euh, et, et, quel, et quelqu'un qui, qui a un mauvais islam. Aujourd'hui, malheureusement, ce qui est à la mode, ce n'est pas l'islam à l'eau de rose des années 60, oui. du fameux chorégraphe magnifique. Bénard. On en est magnifique, très loin. Bien sûr, bien sûr. Alors, euh, pourquoi, en dépit de, de tout ce fanatisme, des attentats djihadistes vers le monde, les démocraties occidentales n'ont toujours pas tiré les leçons de l'histoire parce que les, les démocraties... Comment se fait-il ça C'est quand même euh... Alors il y a une raison structurelle, l'Occident depuis les années 70-80 a c'est comme l'Union européenne a a décidé de couper euh, toute la, la définition de soi-même, de ses racines judéo-chrétiennes. C'est ce nouvel, ce que j'appelle ce nouvel Occident. Mais qui, l Occident, l Occident, mais qui, mais qui, qui sont, qui sont les personnages Nos dirigeants influencés par mais... des philosophes et influencés par des institutions internationales qui ont un projet global mondialiste, cet Occident-là ne croit plus aux racines de l'état-nation et aux racines civilisationnelles judéo-chrétiennes, cet occident-là, à part l'Amérique, mais je parle surtout de l'Europe de l'Ouest, l'Europe de l'Ouest a décidé que pour exister, pour faire pour se bâtir, pour bâtir cette grande société supranationale, elle devait renier son passé. Et cet occident-là est structurellement impossible de lutter contre l'islamisme radical, puisque cet Occident-là euh, se considère rien. Comment vous luttez contre des gens qui remplissent du vide, les islamistes, en leur disant ⁇ nous ne sommes rien ⁇ Et c'est pour ça qu'à long terme, les Amériques, qui sont encore très chrétiennes, Amérique du Nord et Amérique du Sud, les Amériques résisteront plus à l'islamisme, à part le, le, le cas exceptionnel du Venezuela, mais les Amériques résisteront à l'islamisme parce qu'elles ont des valeurs chrétiennes qu'elles assument. Du sud au nord des Amériques, on est chrétien. L'Europe est en train de faire Arakiri. En, 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 en voulant faire de son passé table rase qui est un projet qui n'était pas et le un premier projet les migrants, voilà, euh, le, 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 le projet de Degas et, 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 et d'autres hein, constructeurs de l'Union Européenne Degas Péry ou Schumann c'était un projet chrétien mmh, judéo-chrétien bien bien judéophile mais chrétien enraciné dans euh, euh, la religion majoritaire de l'Europe qui est le christianisme depuis quelques années ce, ceci est considéré pratiquement comme raciste et, et, et donc l'islam euh, et l'islamisme radical remplit le vide qui a été créé par cet occident structure et deuxième chose l'occident est culpabilisé regardez l'histoire des dessins des papier aujourd'hui un mineur qui arrive en france dont on sait qu'il est un faux mineur qu'il est un majeur euh, ça coûte un milliard neuf chaque année rien que les mineurs isolés et... Et et, 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 et on va avoir et, bientôt et le et droit au regroupement familial. Voilà, et on parle de regroupement familial pour Sans eux. parler de la sécurité sociale pour tous les clandestins, sans bien parler sûr. de la retraite la automatique M. pour quelqu'un qui vient en France à l'âge de 60 ans, qui n'a jamais cotisé, oui, oui. au bout de 5 ans, il a oui. plus de retraite qu'un qu 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 fraiseur-tourneur, et bien plus qu'un paysan. Ça, eh bien, ça, ça, ça va créer ça, du populisme. c'est la, révol... re... la révolte. Cette renonciation des... de l'Europe à la... L'augmentation du populisme. Non, mais surtout, ce qui est triste, c'est que pour ne pas faire comme Mme Le Pen, qui parle de préférence nationale, on est tombé dans... L'autre excès qui est aussi stupide, la préférence étrangère. Il y a un juste milieu entre les deux, entre ce que propose l'extrême droite et ce que propose l'extrême gauche euh, hypermondialiste qui veut abolir toutes les frontières. Il y a un juste milieu. On l'a pas trouvé mieux depuis Karl Popper, le grand philosophe de l'anti-totalitarisme. Oui. Oui. Il n'y a rien de mieux que l'État-nation parce que l'État-nation c'est le seul cadre qui permet de garantir l'application de la loi. Et la loi c'est quoi C'est le frein contre la barbarie. Aujourd'hui la seule solution contre les banlieues en flammes, ou l'islamisme radical, ou les zadistes, ou les casseurs, c'est l'application de la loi. Mais aujourd'hui la loi est criminalisé Plus comme récent. étant SS. Ah ben oui, mais alors écoutez, on pourrait parler encore pendant des heures avec vous de ce sujet. Justement, on va revenir. Le, un dernier mot pour terminer. Euh, sur la Turquie, Erdogan, qui, so, qui sont l'un de vos sujets favoris, bien sûr. Y a-t-il une chance encore pour que la Turquie intègre l'Europe Je pense qu'il n'y a malheureusement aucune chance. Heureusement, aucune chance. Ou ça dépend. Je dis malheureusement parce que le calcul initial, s'il était sincère de nos dirigeants, c'était de faire entrer la Turquie dans un processus de négociation. Bien qu'elle ne fût pas prête à l'époque, dans l'espoir que ça déclenche un processus de modernisation et de libéralisation en Turquie. J'avais prédit, c'est pas pour me vanter encore une fois, non, non, mais... mais également dans ces années 2002-2003, j'avais écrit deux lu. livres sur la Turquie je et je disais ce sera un cheval de trois. Les Turcs vont faire croire qu'ils sont pour l'Europe parce que l'Europe était contre les kémalistes. L'Europe voulait démanteler le pouvoir des militaires qui sont des kémalistes. Et en fait, l'Europe, en demandant comme condition sine qua non préalable l'abolition du pouvoir des militaires, eh bien l'Europe a fait le jeu d'Erdogan. Et une fois que celui-ci, au nom des valeurs européennes, a démantelé le pouvoir des kémalistes militaires, eh bien, il a, il a montré son vrai visage, celui d'un sultan qui a dit ouvertement que la démocratie n'est qu'un moyen, n'est pas une fin. Et il a même dit qu'il fallait le califat, figurez-vous, en 2024. Ça est, il est en train de revendiquer toutes les îles de la Grèce. Il, il envoie des bateaux militaires pour lutter contre le forage des compagnies occidentales dans le sud de Chypre. Cet homme menace militairement deux pays de l'Union européenne et il en occupe un. Et il menace le second. Et ce pays aussi bombarde les Kurdes, qui sont les plus grands combattants contre Daesh, en plus de bombarder euh, aussi des, des, des zones entières de l'Irak. Ce pays aujourd'hui est en guerre contre quatre États dont il viole la souveraineté et il. Il prévoit même d'étendre son influence dans les Balkans. Quand Erdogan va dans les Balkans, c'est l'Europe, oui. futur membre de l'Union Européenne, puisque l'Albanie et la Macédoine sont candidates aussi bientôt. Eh bien Erdogan, il dit même que ça, c'est la Turquie, que les, 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 les pays musulmans mais des oui, Balkans font partie de l'Empire Ottoman. Cet entendu. homme est dangereux, il veut rétablir un empire, mais il est malin. Pour faire admettre sa candidature, il a fait croire que c'était nous les impérialistes, que c'était nous, les islamophobes, les racistes, alors que c'est lui qui il nous avait accusé d'être un club chrétien, alors que lui est le patron du club islamique aujourd'hui, la fameuse organisation de la coopération islamique qui est tantôt dirigée par les Turcs et les Saoudiens et qui a comme projet celui de dislamiser la planète, ce que j'explique dans ce livre. Eh bien Alexandre Delvas, sera le mot de la fin. Écoutez, je vous remercie beaucoup. Je rappelle que vous avez euh, publié, euh, euh, qui vient d'être publié, la stratégie d'intimidation aux éditions de L'Artilleur du terrorisme djihadiste à l'islamiquement correct Alexandre Delval, je vous remercie Merci à vous Je vous rappelle vous êtes à l'écoute de Côté Jardin sur RCJ 94.8 sur Band FM, Jacques Benamou. J'ai eu l'immense plaisir d'accueillir Alexandre Delval à l'occasion de la publication de son livre La stratégie de l'intimidation Merci, au revoir